Je bénis Casarema. Je bénis encore Casarema. La pastorale congolaise veut travailler avec les gens qui aiment l'excellence. Et Casarema aime l'excellence. En tout cas, le réseau sera à la Casarema. Zamba Pambola, Pambola, Pambola. Grâce à Casarema, vous avez ces images. Casarema. Soke alinge koyoka, sango malamwe. Casarema, Casarema, ouais. Hey. D'accord. Ok. On sépare un petit peu. Ok. On y va. Musique. Jésus, Jésus, il n'a pas changé. Nous sommes ici dans votre émission Casarema, toujours innovation. Eh bien, aujourd'hui, on vient avec cette émission et répétition en même temps. En tout cas, on veut aussi que vous qui nous suivez chez vous sur casarema.fr, vous répétez aussi avec nous, ensemble, avec le groupe Royaume Éternel. Je suis vraiment bien entouré des anges ici. Donc, chaque samedi, vous allez retrouver votre programme répétition avec le groupe Royaume Éternel. Alors, soyez déjà prêts parce que très prochainement, vous allez recevoir le nouvel album. Au mois d'avril, en tout cas, vous allez recevoir le nouvel album de ce groupe Royaume Éternel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des jeunes gens chanter, mais en tout cas, eux, je sais que là où vous êtes, vous frissonnez déjà. Hein? Ça vous fait déjà du bien. Là, vous avez entendu la chanson « Élevez-vous », une composition de notre frère Blaise Manzambi. Vous avez entendu ça dans l'album précédent du groupe Royaume Éternel, mais là, on va dire quoi? Royaume Éternel Reloaded, c'est ça? Royaume Éternel de nouveau encore, c'est ça? Relooké? Non. Voilà, en tout cas, ici encore deux fois plus d'onction avec ces jeunes talents que vous voyez ici. Mais
on va vous les présenter. Comme ça, vous allez déjà apprendre à les connaître. Vous allez savoir déjà qui est qui. Peut-être moi, deux fois, je peux oublier même. Vous allez dire, mais non, comment tu as appelé Rachel Naomi? Voilà. Alors, on va commencer là-bas avec notre sœur. Qui est la plus jeune? C'est toi. Ok, alors. Ok, on va commencer avec... Acha. Acha qui? Djoulou, j'ai 9 ans, je suis la fille du pasteur. Djoulou, tu es déjà venue dans cette émission. Voilà. Ok, comprenez, c'est la première. Alors, on va commencer ici avec... Je m'appelle Nelly, j'ai 13 ans, je suis sa sœur. Ok, Nelly? Djoulou. Ok, et ici, nous avons... Marina, j'ai 10 ans. Marina qui? Mbongo. Mbongo, Marina Mbongo. Voilà, t'as 9 ans. Non, 10 ans. 10 ans, ok. Voilà. Ici, nous avons... Dorcas Mbongo. Dorcas Mbongo. J'ai 17 ans. Voilà. Et ici, nous avons... Keren Matafi. Keren. J'ai 13 ans. Ok. Et là, nous avons le frère... Jérémy Matafi. Ok. Voilà. Et derrière... Ok. Ici, nous avons la sœur... Mbongo Eldad. J'ai 16 ans. Mais tu sais, entre nous les Africains, on peut se dire les choses en face. On est des Mbongo, on n'est pas des Mbongo. Voilà. Ok. Mbongo. Eldad. Eldad. Voilà. Et ça veut dire quoi déjà? Eldad. Dieu aime. Oh, c'est joli ça en tout cas. Et derrière, on a le frère. Frère William, il se cache très bien derrière. Frère William qui? Pelikanga. B? Pelikanga. Pelikanga. Mais tu sais, tu le dis trop à la française, Pelikanga, alors moi je comprends rien. Pelikanga. Pelikanga. Peliganga, voilà, Peliganga. Voilà, et le frère, il a quel âge? 18 ans. 18 ans, et ici nous avons la sœur? Naomi Mbena. Naomi Mbela. Mbena. 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 Oui. Ok. Voilà, sœur Naomi a quel âge? 13 ans. 13 ans. Et derrière moi, c'est? Sarah Djioulou. Sarah Djioulou, mais on est beaucoup là, les Djioulou ici. Hein. Et elle a quel âge, la sœur? 12 ans. Et ici? Josepha Lombi. Josepha Lombi, à quel âge? 10 ans. 10 ans, voilà. Et après, on passe au frère? Ephraim Djioulou. Eh ben, ça c'est vraiment une grande famille, Djioulou. Et le frère Ephraim, il a quel âge? 16 ans. Voilà, et après? Rachel Matafi, 15 ans. Et la sœur Rachel Matafi. Alors, comme vous pouvez le constater, la sœur Rachel... Elle chante, mais elle est aussi au piano. Donc ici, vraiment, on est béni parce qu'on est rempli de talent, 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 talent. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est une répétition où nous allons, au fur et à mesure, vous chanter des chansons. Bon, c'est vrai, Levez-vous, c'est une chanson que vous avez déjà retrouvée dans l'album précédent. Mais vous l'aurez encore dans le nouvel album qui va sortir très prochainement. Et les chansons que nous allons chanter à chaque fois ici sur ce plateau, c'est simplement pour que le jour du concert, vous chantiez ensemble avec nous. Pour que vous ne soyez pas là comme ça, les mains croisées, en disant « c'est quoi cette chanson ?» Voilà pourquoi à chaque fois, on chantera des chansons ici. Et vous allez apprendre vraiment à connaître ces chansons et ça va vous faire du bien. Même quand vous allez recevoir le DVD, vous allez connaître les pas parce qu'ici, elles font presque toute la danse. C'est vrai, non? Voilà, alors moi, on a des talentueuses ici et des talentueux, bien sûr, parce qu'on a des garçons aussi. Alors, juste après, pour aujourd'hui, on a plusieurs chansons qu'on va chanter, mais c'est une répétition. Alors, on peut se tromper, on va recommencer. Vraiment, soyez là avec nous. Toi qui aimes chanter, qui est chez toi, tu te dis, bon, moi, j'ai pas tellement la voix pour aller chanter en chorale ou quoi, bah, chante avec nous, profites-en, ça va te faire du bien aussi. Alors, on va essayer de répéter qui peut donner la vie. Qui peut donner la vie? Jésus. Jésus, hein? Voilà. Alors, c'est cette chanson que nous allons essayer de répéter aujourd'hui. Et après, on va chanter encore d'autres chansons en français, en lingala. Je sais que ça va vous faire du bien. Et notamment, une chanson en anglais aussi. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, il y aura une chanson en anglais aussi. Qui peut donner la vie? Jésus. Qui peut donner la paix? Jésus. Qui peut donner la vie? Jésus. Qui peut donner la joie? Jésus. Oh Jésus, l'amour de ma vie. On reprend? On va reprendre. Bon, on va faire comme tout à l'heure. On commence d'abord par les sopranos, ensuite les ténors et après alto et ensuite ensemble. Okay?
Ça va déjà pour derrière? Ok. Alors la chorégraphie pour cette chanson, ça sera comment? Ça sera comment la chorégraphie? Ça sera comment la chorégraphie pour cette chanson? Vous avez déjà une idée ou pas encore? Pas encore. Pas encore? Ok. On va trouver une idée. On reprend? Cette chanson. Jésus le chemin. Jésus écrit le chemin, la vie, la vérité. Ok, mais c'était voilà. Comment le début? Jésus est le chemin, la vie, la vie. C'est par Jésus. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Mais avant, il y avait quoi? Mon assurance. Jésus. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, je suis souvenir de la leçon. Ok, on va essayer avec. On va essayer avec la musique. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ. Donc là-bas, vous pouvez être plus que vainqueur. On y va? En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, je suis plein d'assurance. En Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. On reprend. En Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. En Jésus-Christ, je suis dans l'assurance. En Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Jésus est le chemin. Jésus!
répétition et nous sommes en train d'apprendre ces chansons ensemble avec vous. Ça, ce sont les chansons qui seront dans le prochain album du groupe Royaume Éternel. Et vraiment, dans 4 semaines, vous verrez que tout sera vraiment bien fait. Vous recevrez votre CD chez vous et vous écouterez encore les chansons. Parce que déjà, en nous regardant là, dans l'émission, vous apprenez déjà les chansons. Et donc, le jour du concert, vous chanterez ensemble avec nous. Allez, on y va du début jusqu'à la fin. On va vous livrer un très bon produit final. Mais pour aujourd'hui, je sais que vous entendez, peut-être vous avez du mal à entendre encore les voix parce que tout n'est pas vraiment au complet, ni derrière, mais en tout cas, très bientôt, vous verrez ce que ça va donner. On commence toujours comme ça, comme si de rien n'était, mais après, qui savait que quelque chose de bon se cachait à Bethléem? Alors, ici nous sommes sur votre plateau de Casarema Live avec le groupe Royaume Éternel. Donc, d'ici le mois d'avril, le nouvel album sera déjà disponible. Alors continuez à nous suivre à travers ces émissions de répétition que nous sommes en train de faire. Répétez avec nous comme je l'ai dit. Voilà, alors maintenant nous allons passer à une chanson que nous avons déjà bien maîtrisée et je sais que ça va vous faire encore plaisir. Voilà, on va écouter cette chanson Dans tout ce monde, composée par le groupe, et je sais que ça va vous faire vraiment plaisir. Écoutez encore le groupe Royaume Éternel. Ici en live.
jusqu'à son dessein. Celui qui a le cœur pur. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Chante alléluia, alléluia, amen. Chante alléluia, alléluia, amen. Chante alléluia, alléluia. D'avril, le nouvel album du groupe Royaume Éternel, et au mois de juin, un méga concert comme du jamais vu. Mais là, vous allez entendre des voix. Moi, je sais pas chez vous, excusez-moi, je suis un peu malade. Je sais pas chez vous si vous entendez ce qu'on est en train d'entendre ici sur le plateau, mais nous, on n'est plus là quoi. On est comme la Bible nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, donc on n'est plus là. Là, vous voyez que nos corps, nos esprits sont déjà emportés par ces chants et par ces belles voix magnifiques, vraiment. Et cette chanson qu'on vient d'entendre dans tout ce monde, c'est une chanson composée par le groupe Royaume Éternel. La tête, je sais pas, qui a commencé la chanson? C'est moi qui composais la chanson, mais le groupe Gospel, ils m'ont aidé à l'arranger pour que ça donne ça en fait. Voilà, et qui d'autre encore a écrit quelque chose? En fait, c'est moi qui a tout écrit. Ok, d'accord. Et après, chaque personne a essayé de rajouter un peu de sel, un peu de poivre, tout ça. Voilà, alors c'est vraiment un don que le Seigneur a donné à l'église Rama. Et sachez que chaque dimanche aussi, vous avez cette opportunité d'entendre ce groupe chanter à l'église Rama au 109 boulevard Alsace-Lorraine à Rony, sous bois. On va chanter encore une autre chanson. Et cette fois-ci, c'est quoi? Je reconnais. Hmm? Je reconnais. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je sais pas. Je reconnais. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ok, d'accord. C'est la même chose. D'accord. Bah, sans plus tarder, on va écouter la chanson.
rapidement, on va passer. Je vais commencer par toi, Acha. Elle est vraiment timide. Pourquoi est-ce que tu as choisi de chanter pour le Seigneur? Parce que c'est mon destin. Parce que c'était ton destin? Merci beaucoup. Et toi? Parce que j'ai besoin qu'il nous fasse voir sa gloire. Quoi. C'est pour ça que tu as choisi de chanter pour lui. Oui. Oui. Voilà, et toi, Rachel? Aux gens que Dieu existe vraiment, que lui est bon, il peut agir dans nos vies. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Non. Et toi? Comme vous avez dit, il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a que le Seigneur, donc puis chanter pour Dieu, c'est bien, c'est un honneur. Et toi, pourquoi tu as choisi de chanter pour le Seigneur? Parce que quand je chante pour Dieu, c'est comme si j'étais déjà au ciel. C'est bien. Et toi, derrière? Pour glorifier tout simplement son nom, je chante par l'exemple de sa grandeur. Ça serait bien de répéter à chaque fois vos prénoms, comme ça on retient bien. Derrière? Simplement chante, et on ne peut adorer que voilà. Et derrière moi, Sarah, j'ai choisi de chanter pour le Seigneur parce que c'est notre vie, c'est lui qui nous a donné la vie, c'est pour ça que je chante pour lui, pour le remercier. Derrière moi, Josépha, c'est une vraie bénédiction pour chanter pour le Seigneur, c'est un plaisir. Glorifier le nom et que plein de gens atteignent son cœur. Voilà, alors comme la Bible nous dit, que tous ceux qui respirent, derrière moi ici. Maria, si je glorifie le Seigneur, c'est parce que je l'aime et c'est un bonheur pour chanter pour lui. Voilà. Et toi, mon frère? C'est pour montrer ma reconnaissance envers lui. Je chante toujours pour lui. Voilà, merci, frère Jérémy. Bah pour moi, parce que j'ai pas le choix. C'est d'autres prix pour glorifier son nom, d'autres chantent. Et moi, je fais partie de ces musiciens qui accompagnent les chanteurs pour qu'on puisse glorifier le nom de Dieu. Et derrière, mais lui, il est tellement bien caché. J'arrête pas de l'oublier. Frère William, plus fort, hein. Je sais pas quoi dire. Tu aimes tellement Dieu. Voilà. Voilà, alors moi je pense que c'est tellement un gâchis, étant jeune, de chanter pour le monde, parce que le monde ne vous redonnera jamais ce que vous lui donnez. Voilà pourquoi nous avons choisi de chanter pour le Seigneur, parce que il nous rend toujours ce qu'on lui donne. Voilà. Et nous allons encore chanter une autre chanson pour nous séparer. Et comme je vous ai dit, chaque samedi, répétition avec le groupe Royaume éternel. Royaume éternel. Pourquoi royaume éternel? Parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est éternel. Voilà, alors, quelle chanson nous allons encore chanter? I give myself. Ok, alors sans plus tarder, nous allons chanter I give myself. I give myself away. So you can do. I give myself away.
notre royaume n'est pas de ce monde, mais notre royaume est éternel. Ce n'est que le début du commencement. À samedi prochain. Ciao. Samba pesie Nazare maye Mwen fe Oya biso Samba pesie Nazare maye Mwen fe Bolingi kokumi san zambe Nazare maye Bolingi kopambo la zambe Nazare Olingi bakwit na yo eleka Kazare mae Kumi san zambe kona sita Kazare mae To ume laki na bi talatala To ume laki na bi mona mona Ebe bisi koni mana biso Na bolingo na zambe le loyo Ape si biso kazare ma Poto milenisa Ata e bandi koleke la yo Ata e komisyon nasuka Fongo la kota kazarema Uko mwana mate ya peba nzembo Eko zongi sa koni mana yo Eyi Todos na casa Assistimos kazarema Todos na casa assistimos Casarema, sítio melhor para os cristãos. Casarema, sítio para os cristãos. Corona Mirembo, oi abisso, Zamba Pessie, Casarema. Oya biso Zamba Pessie Kazarema.